Salut à tous les amis, c'est AlphaGar, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Épée à Isolarmure avec notre dude toujours magnifique et notre chignon absolument délicieux. J'ai failli dire dégueulasse alors qu'il est magnifique ce chignon. On devait dans le dernier épisode partir à la recherche des Maxi Champis. Ça fait déjà deux jours, tout le monde a sans doute déjà terminé l'épreuve. Ah bah non, parce qu'en fait on est dans Pokémon, j'ai sauvegardé, j'ai éteint la console. Ah bah c'est dommage, j'ai fait un qui avance. Et bien sûr, j'ai rajouté Lila dans l'équipe. Hein. Du coup, on a retiré Torgamore parce qu'il fallait bien retirer le type O. On a mis Lila, force qu'on va avoir des combats, elle va monter en niveau, on évoluera et tout. Ce sera magnifique. En tout cas, nous sommes partis et on va voir. Donc, les champis se trouvent dans des endroits humides et secs, donc des grottes. Mon petit Alphager ! Eh, je suis lent. Qu'est-ce que tu veux, papy? Je t'envoie cuire des Maxi Champis alors que tu viens à peine de débarquer à Isolarmure. J'imagine que tu sais même pas par où commencer tes recherches. Désolé de ne pas m'en être rendu compte avant. Laisse-moi t'accompagner un peu. Ah bah, merci, papy. Merci, pépé. J'ai vu la Pokéball. On ira récupérer ça après. Ah, c'était sûr. 1 km à pied et ça me soupe de chanter. La forêt Flexion a toujours été un lieu privilégié par la cueillette de Maxi Champis. Toutefois, une armée de ronds grigou qui vient de débarquer a fait un véritable razzia dans la zone. Donc il ne doit plus en rester beaucoup. Mais il en reste peut-être encore sur la voie des étirements. C'est le tunnel au fond de la plaine des efforts que tu peux atteindre en traversant la forêt. Ok, en gros, go là des grottes. On se perd facilement dans ces bois, alors fais bien attention. Sur ce, bon courage pour ta quête, mon petit. Et moi, je retourne jouer à la Switch. Et... Non, c'est quoi la touche pour le vélo? Ah, bah, arrive où? Je veux mettre mon vélo, moi. Oh là là. Bah alors, ah oui, c'est moins. C'est plus, je dis de la merde. Ah là là, oula. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est un Troubrother, elle? Bonjour, monsieur. Nomme Troumama. Je suis la compagne de Troudad. Que tu as peut-être déjà rencontré. Ma pelle et mon associé avec elle, je pratique l'excavation, une activité des plus palpitantes. Tu m'as l'air sympa, je vais t'offrir de l'armurium en souvenir de notre rencontre. Merci, madame. Tu pourrais tout simplement le garder ou l'investir dans l'excavation pour en tenir encore plus. Mais attention, si la pelle se casse pendant que je creuse, l'armurium que tu m'auras donné ou que j'aurai déterré sera perdu. Si tu as la recherche de sensations fortes, alors tu es au bon endroit. Mais avant tout, tu vas devoir sauvegarder, ça te convient? Ok, faisons un test avec, je sais pas. L'excavation comporte des risques, ça va sans dire, mais qui ne tente rien n'a rien. Bon, je m'y mets. Ok. J'ai tiré un éclat d'armorium. En tout, tu pourras récupérer 2 armoriums si j'arrête de creuser maintenant. Souhaites-tu que je continue? Oui, allez, on va faire une fois. Bon, je m'y mets. La daronne. Oui, je creuse. J'ai tiré un éclat. En tout, tu pourras récupérer 3 éclats. Bon, vas-y, on va s'arrêter là. C'est toi à ton honneur. Chose première, chose due, voici ton armorium. Trop gentil, la dame. Yes. Si tu as de la veine, quand tu en as de la veine quand même, allez à la prochaine. Ah, elle se casse. Ah ouais, genre déterre la meuf. Par contre, il y a toutes ces Pokémon. Ok, il y a quoi de beau? Mec, cherche, qu'est-ce que tu cherches? Yes, un maxi champi. Ah non, c'est toi, zut alors. Mais j'ai une tronche de champignon, moi. Je ressemble à un tropignon, moi, ou... Ah bah, il y a des golets. Impossible de trouver un seul maxi champi dans cette forêt. Je ferais peut-être mieux de chercher ailleurs. C'est quoi ça? Ah, c'est un mec. Oh, j'ai un bug avec la caméra. Oh, ok. Maintenant, mais lui, il est déjà dans le jeu. On s'en fout. C'est pas un nouveau Pokémon. Ça, c'est la plage. Donc, ça doit être par là. What? Ça, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon. 1000% c'est un Pokémon. Pas du tout. Ok, la gun miracle. J'avais pas de gun miracle, moi. Pikachu. Sac de nœud. Ok. C'est quoi ce bruit? Nigosier. Le full speed. Dégolé. Il y avait un truc, là. Oh, Scarabrut. Donc, il devrait peut-être y avoir Scarino. Oh, la forêt, mon gars, elle veut rien dire. Je sais pas où je dois aller dans la forêt, je vais juste le plus loin possible. Le Vénard. Ça va être là-bas du coup. Je pense que j'ai trouvé la bonne route.
pleine des effets. Ok, demi-tour tout de suite, hop, c'est quoi ça? Quelle est donc cette chose? Route de l'épreuve. Ok, armure. Ah, mais c'est pas l'une des tours, ça? C'est l'une des tours, ça, non? C'est totalement l'une des tours, en fait. Y'a quoi là-bas? Genre, si je vais... Et attends, il me dit quoi si je vais là-bas? Je peux pas rentrer. Ok, bonjour. Tu te tiens devant la tour des ténèbres, mais tu n'es pas encore prêt à suivre ces enseignements. Je ne peux pas te laisser entrer. Quel dommage. Allez, on avance. Bon, on va chercher le champignon. Il y a plein de grottes ici. Faudra un moment qu'on les explore pour voir quoi dedans, mais... Bon. Allez, on est parti. On va aller dans notre trou. Le trou qui est là-bas. Ou pas. Ici. Ou pas. C'est un autre chemin que je vais aller prendre. Il y a un pont chien, donc il y a Mascouf. C'est cool parce qu'on peut voir les Pokémon qu'il y a. Un sécateur, donc il y a Scizaiox. Bon, ce serait chelou qu'il y ait un sécateur et pas Scizaiox. Et crémeux. Kangourex. Mascouf, en parlant de lui. Bouteille de l'émeumeux. Oh là là, le l'émeumeux, le fameux. L'émeumeux, le fameux. T'es trou d'ad. Tiens, dresseur, je ne croise pas souvent par ici. Moi, c'est Troudan, enchanté. Je suis le père des Trou Brothers, que tu as peut-être eu l'occasion de rencontrer. Oui, je les ai farmés. As-tu déjà entendu parler de l'Armorium? C'est un minerai que l'on trouve qu'à l'isole armure. Si ça t'intéresse, je peux aller déterrer des watts à la force de mes bras en échange d'Armorium. Notre rencontre relève du destin, et si je te faisais une fleur pour préciser ça? Juste pour cette fois, je peux déterrer des watts sans te demander d'Armorium. Ça te tente, par contre, il faudrait que tu sauvegardes. Le mec, par contre il faut sauvegarder. Hein quoi? Mais c'est pas RP ça monsieur. Bon il est temps de s'y mettre. Mais 3000. 6000. Bon on va s'arrêter. Ça fait que j'ai déjà atteint 9000. Merci. Ah, un topiqueur. Topiqueur. Topiqueur est retourné auprès de son dresseur. Il y a deux topiqueurs à trouver ici. Ok. Alors. C'est ça le maxi champi? Non, c'est une masse os. Pas du tout. Attends, ça c'est un maxi champi. Ou pas. Mais en tout cas, il y a une sale gueule. Ce sont des maxi champis sauvages. Eh pépé, passez vite! Ah, Sophora. Elle veut se battre. La panique. Ah, attends! Laisse-moi respirer, 12 secondes! Ah! Hein? Y'a 3 champis qui poussent au même endroit, mais c'est pas du jeu ça! En tout cas, j'ai vu ces maxi champis la première! C'est faux! Et en plus, c'est moi l'aîné ici, alors sois sage et laisse-moi les cueillir, d'accord? Attends, ça fait quoi si je dis si tu y tiens? Ça fait que je lui laisse l'épreuve? Jamais! Mais attends, je veux vraiment voir en fait! Eh, on va être galant! La romance! Non, je déconne! Comment tu te moques de moi? En plus tu te prends pour qui? En fait tu sais quoi, tu me gonfles. Tu débarques comme ça, tout jeune et balèze, comme si le monde t'appartenait. Si t'as cru que j'allais te mettre des bâtons dans les roues, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais genre jusqu'au coude. Ah bah battez-vous. Je vais te goumer ta mère, t'as même pas idée. Traduction de son expression, je vais te goumer autant que je goume ma Pokéball. Enfin Ramelos. Bon bah ok. Le Salarzen. T'as pas l'air d'avoir compris qui c'était la boss ici, donc mettons ça au clair une fois pour toutes. Elle déterre. 62, c'est moi qui ai remonté de niveau. Bing Sonic. Over 9000. Vas-y, renvoie-moi ton Vénipat là, c'est bon, ça fera l'affaire. Allez, il y a qui va évoluer. Tout rapide. Bon, on va rien apprendre, enfin plus tard pour les capacités et tout. Libre à quoi? Non. Smogo. Ah, c'est nouveau ça. Elle est vraiment type poison. Hein. Par contre, pourquoi elle a un Ramolos? Il est pas type poison si? Allez, on retourne ça. Overnight Thousand! Ça part en couille. Ma blague, elle est trop surfaite en fait. C'est nul! Hop, et Lydia, bah, elle évolue. Allez, c'est bon. Abri, non mais on s'en fout de Abri. Scoboïde, ah bah tiens il a évolué. Non mais je vais m'emballer. C'est encore moi qui perds, mais je suis si nul que ça. Bah apparemment. Reviens de battre quand t'auras une team évoluée. Ah Scoboïde.
Putain, il est classe. Mais c'est vraiment un Pokémon que j'aime bien par contre, ce Scobolide. Genre Brutapod et tout, c'est vraiment des Pokémon que je kiffe. Mais ils risquent d'avoir leur place en strat. Hein. Donc assez cool. Bon bah c'est fini je pense. Hein. Son meilleur Pokémon c'est le Scobolide qui va évoluer en Brutapod à un moment. Voilà, Sephora. Pourquoi c'est toujours toi qui gagne? Et la raquette. Quoi? Lila évolue. Quoi? Lila évolue. J'ai deviné. Enfin non, c'est toujours le même message, mais bon, ça fait tellement de temps. Carabaffe. C'est plus du tout une petite carapuce toute mignonne. Il a évolué en Carabaffe. Yes. Allez, hop. Mais pourquoi je perds à chaque fois? Je m'entraîne de ouf et c'est ça le résultat. Mais qu'est-ce que t'as de plus que moi à la fin? T'as qu'à le garder tes maxi champis, je vais en trouver d'autres bien plus stylés de toute façon. Allez, vas-y, file-moi mes champis. Vas-y, ça fait 3 maxi champis. Objet de combat. Un champignon pouvant modifier l'apparence des Pokémon Dynamax utilisé en combat, il augmente toutes les stats d'un Pokémon. What? C'est quoi son truc? Body drink, body drink. Allo Alphragor, tout va bien? T'as réussi à la deuxième épreuve? Les doigts dans le nez. Allez, t'as déjà trouvé les 3 maxi champis? C'est fou, tu es le premier à en avoir trouvé, je viens de contacter les autres. Ils sont encore loin du compte. Décidément, tu entames ton entraînement de jeu sur les chapeaux de roue. Je vais commencer à préparer le bouillon en attendant ton retour. Fais bien attention à toi, à tout à l'heure. Clip. Comment elle a mon numéro? Attends, je veux voir, y'a quoi? Y'a quoi ici? Mais sable de Kudzak. Kudzak. Ah, y'a le... Il est là. Bon, on va le laisser, on viendra le chercher plus tard. Mais j'ai trouvé les... Ouais, ça va, il était vraiment pas dur. Hop. Alors pourquoi je fais pas de suite? Parce que je pense que je ferai une vidéo sur les... One Life sur la recherche des 150 topiqueurs. Donc je vais les laisser et je viendrai les chercher plus tard. T'es qui toi? Je te vois un Pokémon trop génial. Je te le montre pour 100 watts. Regarde, regarde, c'est incroyable. L'euphorie. Alors je t'avais bien dit qu'il est trop génial, on trouve différents Pokémon en fonction de la météo, donc charge bien tous les jours. Oh non, c'est chiant ça. Pour le Pokédex, ça va être chiant. Je vais devoir attendre que la météo change. Trop casse-couille. Bon allez, on rentre. Dis qui toi? Je suis originaire d'une autre région et je suis à la recherche d'un Pokémon provenant de Galar. Tu n'aurais pas un canard-tichot qui vient de là-bas par hasard? Si oui, je te demande... Tu voudrais bien me l'échanger contre un canard-tichot de chez moi? Oh, il y a le vrai canard-tichot. Attends, j'en ai un, au moins. Ah bah merde, tant pis. Ah d'accord, c'est la vie, je vais en trouver un moi-même j'imagine. Bon bah va falloir aller chercher un canard tichot pour le filer à cette meuf. Mais c'est trop bien, il y a le canard tichot normal. Ça arrive, il est là, il est beau. Et moi je rentre à la maison. Allez, hop, les maxi champis c'était pas dur hein. Par contre faut pas que je me perde. Parce que je suis capable de me perdre. Là je vais juste dans une direction au pif hein, de rentrer à la maison, c'est vraiment la route. Ah bah zéro. Ah bah c'était rapide. Pokabo. Y'a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de beau? 2000 et... Noix de coco. Ok. Comme ça on observe, vous voyez à quoi dans les trucs. Lopin, ouais. Mais j'ai pas vu de Pokémon avec une forme différente pour l'instant. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Mais pour l'instant y'a que Ramolos qui a une nouvelle forme. Ce serait triste qu'il y ait que lui. C'est la trou mama. Bonjour les gars, c'est la police. Je rentre avec mon vélo, je m'en bats les couilles. Ah, tu sens qu'il y a un mec déprimé. Et qu'il n'y a pas fini. Ah mais il n'y a personne qui a réussi en fait. Ils ont tous le seum. Te voilà mon petit Alphragor. Tu as trouvé les maxi champis, bravo. Ou GG comme disent les jeunes. Pardon. Mais c'est quoi moutarde? Mais qui es-tu? Tu quatrième mur. Tous les autres disciples se sont malheureusement perdus dans la forêt pendant leur recherche. Ils ont donc passé plus de temps à chercher la sortie que des maxi champis. J'ai bien peur que vous ayez tous échoué à cette épreuve. Enfin, sauf Alphragor, évidemment. Y'a Sophora qui va se ramener avec les champions en mode « Eh, niquez-vous !» Bref, j'ai faim. Allons plutôt voir ce qui se passe en cuisine. À la soupe! Bon, la main gauche, j'ai un dos totalement défoncé. Sophora, elle arrive quand? Eh bien. Et voilà, elle est parfaitement assaisonnée. Il reste plus qu'à ajouter Maxi Champi que tu as gentiment apporté. Souffle, souffle,
Patronne, attendez. Ouh, ah, je suis crevé. Sephora, eh bien, que t'arrive-t-il? Fiu. Moi aussi, je trouvais des maxi champis. Vraiment, c'est merveilleux. Bravo, ma petite Sephora. Tu es la deuxième à avoir réussi l'épreuve. J'ai réussi. Ouais, sniff, niveau. Ouais, de calme, tu vois. Voyons, Sephora, y'a pas de quoi pleurer. Bravo à toi. Bon, on est plus que deux en lice. Maître, patronne, est-ce que je peux faire un tout petit caprice pour une fois? Vous pouvez utiliser les maxi champis que j'ai apportés pour préparer la maxi soupe? Je veux que tout le monde puisse goûter aux fruits de mes efforts. Sephora, y'a absolument aucun problème. Bah les couilles. Par contre, je me dois de souligner que c'est loin d'être ton premier caprice. Patronne, vous êtes la meilleure. Merci, 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 merci. Ah. Caprice d'enfant gâté. J'espère que ça te dérange pas, le frère. Bah les couilles. C'est si rare de voir Sephora faire preuve d'une telle détermination. Alors pour encourager, j'aimerais utiliser ces maxi champis. Cela signifie que tu peux utiliser ceux que tu as ramassés comme bon te semble. Yes! Je garde un item cheaté. Et ne t'inquiète pas, ça ne change rien en fait que tu as bel et bien réussi l'épreuve. J'ai des cernes hautes comme mes phalanges. Tu repars avec 3 maxi champis, t'en as de la chance. Gros, il y a le nuage, il est flippant. C'est prêt! Bon appétit! Pourquoi ils sont là les pégus? Voici la spécialité du dojo de la maîtrise, la maxi soupe! Miam! Bon appétit les enfants! Itadakimasu! Oh, on est au Japon si tu veux donc. Vous bouffez une grande gorgée de maxi soupe. En fait, je t'ai pas tout dit sur les aquariophytes de cette soupe. Lorsqu'on avale une grande loupée de maxi soupe du dojo de la maîtrise. Vous ressentez une énergie se propager en vous, serait-ce la puissance du Dynamax? Il se passe absolument rien de spécial quand on est humain, donc rassure-toi. Par contre, il y a un Pokémon en bois, les effets sont spectaculaires. Si le Pokémon en question en a le potentiel, il pourra se gigamaxer au lieu de se dynamaxer et ainsi revêtir une nouvelle apparence. Dorénavant, il y aura toujours un disciple chargé de se préparer de cette soupe dans la cuisine. N'hésite surtout pas à lui parler si tu veux qu'il te concocte une maxi soupe. Je sais pas parler! Aïe! Sur ces belles paroles, encore bravo à vous deux d'avoir réussi la deuxième épreuve. Et merci pour la bonne sous-soupe. Merde, j'ai oublié. Itadakimasu, j'ai oublié comment ça se dit. Allez, gâteau. Allez, gâteau, gozaimasu. Oh, le frigo, pourrais-tu passer me voir dans le salon tout à l'heure, s'il te plaît? J'ai envie de faire du Pokémon Quest avec toi. Il y a plus en plus de sbires qui traînent. Tu es à peine arrivé, t'as déjà réussi deux des trois épreuves sans effort. Comme quoi Sephora a vraiment l'œil pour après, elle est assez talentueux. Non, c'est du mytho, elle avait tellement peur de moi qu'elle m'a fait dégage. Salut Pépé. Ah, le maître t'a convoqué toi aussi? Oui. Tu joues pas à la Switch? Je peux jouer à la Switch? Je peux pas, non, je veux jouer à la Switch. Bon, qu'est-ce qu'il y a, moutarde? Merci à vous deux d'être venus, mes chers disciples. Aucun problème, maître. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voyez-vous, je vous ai demandé de revenir ici pour vous expliquer le déroulement de votre prochaine tâche. J'ai nommé l'épreuve 3, l'ultime dénouement du dernier épilogue, volume final. C'est quoi ce... Alors, ça, c'est le nom d'une extension d'un jeu pas ouf qui a déjà un nom bizarre. L'épreuve 3, ultime dénouement du dernier épilogue, volume final, vous dites? Mais calmez vos mères, Quoi? Donc on parle justement de la dernière épreuve en fait. Eh ben ouais. Bref, vous êtes les seuls à avoir réussi la deuxième épreuve. Tous vos efforts vous ont permis de vous hisser ensemble jusqu'à cette dernière étape. Mais il est désormais temps de vous départager. Comment? Vous me demandez en vous affrontant bien sûr au cours d'un combat de Pokémon Dynamax. Hein? Un combat? C'est ça l'épreuve finale? Bah t'es dans la merde. Exactement, les règles sont un peu plus simples. Remporter la victoire, c'est gagné. Le vainqueur de ce combat recevra l'armure secrète du dojo de la maîtrise. Enfin, je suis à deux doigts d'arriver au top. Mais... Ouais, tu t'es fait goumer deux fois. L'épreuve se déroulera sur le terrain de combat, derrière le dojo. Comme il est situé sur une source d'énergie, vous pourriez dynamaxer vos Pokémon. Allez, pas une seconde à perdre. Mon vieux, j'y aille sur place le plus vite possible pour me préparer mentalement. Bah les chevilles, des bisous, allez, au fait, te sens surtout pas obligé de te dépêcher, hein, vas-y mollo comme un ramolo ça, ok. Elle a panique. PANIQUE.
Ah ok, genre elle ouvre avec son esprit mon gars. Tu sais, la petite Sephora est une dresseuse de talent. Mais elle a toujours eu du mal à faire preuve de sérieux au dojo. J'ai pourtant toujours su qu'elle pourrait faire de grandes choses avec un peu de volonté. Et depuis que tu es là, elle a enfin trouvé cette motivation qui lui manquerait cruellement. Alors j'espère que cette rivalité l'aidera à s'épanouir en tant que dresseuse. Ouais, mais c'est pas une rivale folle si tu veux, parce que pour l'instant tout ce qu'elle a fait c'est faire hey, « Eh, je te ragale ta mère !» Sauf que c'est elle qui se fait ragale. Et bah de l'autre côté t'as Rosemary quoi. Le mec ça parle mal. Non, en vrai Sephora reste aussi les psychopathes. Toutefois, il ne faudrait pas que cette soudaine motivation l'écarte du droit chemin. Je retourne jouer à ma Switch. Mais wesh! Attends, ouais, lui, on peut pas lui filer des watts. Si seulement j'avais 500 watts, ça suffirait à faire fonctionner le Nigomix 3000. Frère, j'ai 9000 watts. Je peux te les donner. Ouais, tu me donnes 500 watts, vraiment? Eh bah ouais, Billy. Pour collecter 500 watts, il faut beaucoup voyager et c'est pas vraiment mon style. Mais toi, comment tu t'appelles déjà? Alfragor? Ah oui. T'as l'air d'aimer se te balader. Bon, on va tenter d'allumer le Nigomix 3000. En avant les watts! Et là, dit encore des watts! Nigo! Bon, bah, c'est parfait ça! Tu peux fabriquer quelque chose à partir de 4 objets dont tu n'as plus besoin. Par exemple, si tu fais 4 degrés mais ils l'armure, mets dans le Nigomix 3000 et tu obtiendras peut-être une Pokéball rare. What? Je te laisse utiliser autant que tu veux pour te remercier de m'avoir donné des watts. Mais en fait, c'est Fargas le truc! Attends, j'ai pas d'aimé! Je vais essayer un programme fusion. C'est les objets à fusionner. Ah, y'a G. Attends, y'a quoi? Ah ouais, je peux mettre plein de trucs. B, 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 B. What? J'ai mes 4 trucs au pif. Hein. Sauvegarde en cours. Imagine, t'as une Master Ball. Fusion terminée. Tiens, je te chie une boule. Quoi? Attends. Je pensais que je recevais une Pokéball. Pas un disque CD. Tac le feu. Mais ouais, ok, cool, merci, au revoir. Je m'en vais, bonjour, bonsoir. Attends, je veux filer la soupe à Pyrobut. File-moi de la soupe. Et frère, tes Pokémon ne voudraient pas un peu de maxi soupe? Si. À quel Pokémon veux-tu en donner? Pyrobut. Alors maxi soupe, Pyrobut, pour moi c'est giga maxi. Il me faut 3 maxi champis pour en préparer, c'est bon pour toi? Ça me va. Je m'en fous, je te les file direct, hein, même si c'est un item cheaté. Pyrobut est à présent capable de se gigamaxer. Yes! Oui! Et j'ai la giga capacité. Tu me dis quoi? Sephora, t'attends sur le terrain de combat. Bon courage à toi. Attends, je veux pas que je me heal moi. Ah non, c'est bon. Allez, hop, on y va. Et c'est là, elle me goume avec une team de fou. Oh le terrain! Oh le terrain! Mais il est géant! Mais gros, il est encore plus grand qu'un stade! Grosse Sephora, elle est toute seule. La tristesse. Salut Sephora, comment tu vas? Psychopathe ou pas? Te voilà. Je t'explique le plan. 1, je te bats. 2, j'obtiens l'armure secrète. Et 3, je deviens championne d'arène de type poison. Bah, c'était sûr qu'elle était fan du type poison. Il est hors de question que je perde face à toi alors que je suis si proche du but. Je vais tout donner cette fois-ci, t'es prêt à morfler? Alors juste, on va parler quatrième mur deux secondes. Si t'obtiens l'armure secrète, elle ne te servira à rien. À moins qu'elle change le type des Pokémon. Mais en général, je pense que l'armure secrète, ça doit être Chifours ou Wouchours. Et sauf qu'il évolue en type combat eau et combat ténèbres. Ça te sert à rien. Je vais tout donner cette fois-ci, t'es prêt à morfler? Bah non. Bah non, je suis pas prêt à morfler. Vraiment? Je t'ai fait une déclaration de guerre, c'est tout ce que tu trouves à dire? Ah mais non, mais moi j'étais en mode, bah non, je vais pas morfler, mais c'est moi qui vais te goumer. Oh, t'es fou. Faceur, je suis si proche du but. Je vais te laisser facile, t'es prêt à morfler? Ouais. Vas-y. Ah, pépé. Alors, on peut commencer? Oh là, y'a tout le monde. Y'a des persos génériques. Bon courage! On est tous avec vous. Yes! Approchez les enfants, c'est l'heure de l'épreuve finale. Comment tu t'es téléporté, toi? C'est quoi Super Saiyan? C'est téléporté, wesh! Genre, Pépé, il a fait non, téléportation! À vos marques! Prêt! Combattez! Oh la vache! Fightez! Oh, j'y étais presque. Bah, j'ai dit le bon mot, mais... Oh!
Elle a un thème. Sauf fort, la tricheuse veut se battre. Peut-être un vrai combat stylé. On va un rapion. Il est sympa le thème. Alors combien de Pokémon? Hey, tu pourras morfler? Tu vas voir de quoi je suis réellement capable. On va régler ça ici, maintenant, à la loyale. En fait, il y a peut-être quelques pics toxiques qui traînent par-ci, par-là. Donc, attention les pieds. Comment ça? Il y a plus de... Quoi? Attends, quoi? Quoi? Attends, quoi? Il y a des pics toxiques? Déjà? Nani! Voilà. Tu vas te calmer avec tes pics toxiques, je m'en bats les couilles. Là qu'il y a du niveau, calme. Smogogo. On va changer de Pokémon à chaque fois, parce que le combat stylé. On va mettre... Tu t'es écrit. Parce que tu t'es cru où? Lol. Allez, PTDR, c'était la balle. On va à Smogogo. Mais il n'y a pas de pic toxique là. Attention. Bonjour monsieur, vous voulez assurer votre voiture? Parfait. Yes, en plein dans le point faible. Bah c'est moi qui vais te le mettre dans le point faible, ma grande. Il avait l'évitation. Maintenant il va prendre cher. C'est tellement beau. Pardon mon petit Pokémon, c'est de ma faute, j'aurais dû le voir venir. Tiens bon, ah non, t'aurais jamais pu le voir venir celui-là. Il est tellement... Parfait. Griffe ombre. Assurance, donc les talents vont se rééchanger. Hop, griffe ombre. Et bling. Et on dit au revoir. Un vagabond, je récupère mon talent. Le Smogogo ennemi échange les talents. Donc ouais, bon, on a juste Lila qui monte de niveau. Danse pluie, mais je m'en fous de danse pluie. J'ai même pas le truc qui mousse la speed. Scobolide. Donc il va encore y avoir du combat. C'est clairement pas le dernier combat avec Sophora, c'est obligé. Cornelius, on part à l'attaque. Il est très stylé, j'aime beaucoup ce Pokémon, je l'ai dit il y a 10 minutes. On part à pleine puissance. Et je m'envole, et t'es mort. La musique est classe, j'aime bien. Et le dernier, ça va être la Max. Et son dernier, c'est Ramolos. Lila. Oh yes, elle a Flagados. On change. Pyrobut. Forcément, hein, le bébé. Celui avec qui tout a commencé. Pyrobut. Hors de question que je perde ce combat, même avec un seul Pokémon, je gagnerai. Le Flagados de Galar, qui est bel et bien de type poison, avec sa tronche. Pyroball G-Max. Une attaque de type feu que seul Pyrobut Gigamax peut utiliser, ignore le talent de la cible. On va le faire, même si c'est pas très efficace. Tire vif. Permet à Flagados d'agir plus vite. Ok. Il est temps de répandre mon poison. Attention les yeux, ça va piquer. Oula. Oh! Attends, est-ce qu'il a une forme à lui? Non, ok, c'est il Dynamax, il fait que Dynamax. Ça aurait été stylé qu'il ait un Gigamax. Chacun son tour. Donc, apparemment, le tir vif va lui permettre de tirer avant. Donc, c'est vive griffe en fait le truc. Et chacun son tour, ma belle! T'envoies un Flagados? Eh ben, moi, j'envoie le Pyrobut! J'envoie l'arbitre du match. Oh là, il est classe. Tout ce qu'il fait, c'est agrandir ses oreilles et avoir une gigaboule de feu avec lui. Hein, quand même. Donc, attaque poison, Hydromax. Non. Et là, je meurs. Wouah, facile, on tente facile. C'est super efficace. Vas-y, fais voir les belles capacités. Comment ça pleut voir? Je vais faire zéro dégâts. Ah oui, c'est une... Ah ouais, ils sont pas VG en fait. Putain, mec, c'est... fait bon dégâts en vrai. C'est divisé par 2. Stab 210, divisé par 205.
Donc les autres sont plus efficaces. On va faire Aeromax. Bouffe la tornade. Ok, le prochain Pyro Ball G-Max va tuer. L'Hydromax. Et c'est bien ça, il a une vive griffe en tant que talent, c'est pas mal. Oh, oh le coup critique. Attends quoi, c'est pas un coup critique. J'ai 4 PV. Non, le tir vif. Oh, oh, J'ai le seum. Non, Pyrobus, non. J'ai été vaincu par la vive griffe. Non. J'ai le seum. On va envoyer qui? On va terminer avec avec Salarzen, allez. On y va avec Salarzen. De toute façon on avait 3 là sur le Flagados. C'était rigolo. Et voilà, tu redeviens de taille normale. Et maintenant je vais te goumer. Bah tiens, c'est bizarre. Maintenant je peux t'envoyer plein dans les miches. Voilà, t'es mort. Le Flagados de type poison. Ah ouais, puis Orbit gagne pas de points avec les morts. Sofra a perdu. Yeah. Oh la vache. Oh le seul. Mais pourquoi à la fin j'ai tout donné? Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Bah mon fric. Mon skill. Le combat est terminé. Et notre petit Alphagor remporte la 3ème épreuve. Bravo. Vous avez été incroyable. Trop bien. Félicitations à vous deux. Sophora, elle a le seum. Soupir. Ah, j'ai perdu. Même en trichant, j'ai pas pu t'arracher la victoire. Quoi? Pardon. Ah oui, non, mais les pics toxiques, ça marchait pas. Je suis Salarzen. J'ai mis Salarzen en début de combat. Du coup, il y avait pas les pics toxiques. J'ai juste m'en rendre compte. Le match il était full réglo, j'ai envoyé le seul Pokémon qui l'a auto-niqué. Je doute que quelqu'un avec un talent inné comme le tien puisse comprendre, mais j'ai vraiment tout donné cette fois et j'ai perdu, je me sens complètement vidé. Je crois que l'univers m'envoie un signe, je ferais mieux d'abandonner mon rêve de devenir championne d'arène. De toute façon, après ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'une question de temps avant que je me fasse virer du dojo. Du coup, je t'en voudrais pas si tu me balançais. Si tu me balançais, t'as qu'à toi raconter au maître, je m'en fiche. Non, je dirais rien, ta bouche. T'es trop bien comme rival en fait. Enfin, juste avant, j'ai dit qu'elle est plus la merde. Genre, aucun. Je suis bipolaire, hein, mec. Non, en vrai, elle est cool. Mais non, on est réglo, on a gagné, on bat les couilles. Ah, mais pourquoi? Je te l'ai clairement faite à l'envers, c'est tout ce que je mérite. Le petit Alphagor montre autant de bienveillance envers ses Pokémon qu'envers ses rivaux. Et c'est là que repose toute sa force. Mais maître? J'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, donc j'aimerais également m'excuser. Sophora, tu ne t'es pas battu à la Royale au cours de cette dernière épreuve. Et au fond, je sais que tes actions découlent d'un puissant désir de t'améliorer. Et c'est tout ce que j'attends de mes précieux disciples. Sniff, maître, merci, Alphagor, pardon. Ta punition consiste à t'occuper des Pokémon du dojo toute seule pendant 6 mois. Allez, fais la nounou. C'est tout? Enfin, c'est sévère comme punition, mais vous êtes sûr que ça suffit? Si je te le dis, ce sera aussi une belle occasion d'enforcer ton mental, d'accord? D'accord, allez, j'y vais. Oui, maître. Hey, listen. J'arrête. C'est bon, les enfants, vous pouvez venir féliciter vos camarades. Vous avez été absolument formidables. J'en avais les larmes aux yeux au point de pas bien voir la deuxième moitié du combat. C'était du grand art. C'était tellement bon qu'on a pleuré. Mon petit Alphagor, même si tu as combattu dans des conditions défavorables, tu as réussi à remporter l'épreuve, bravo! Puisque tu es venu à bout des 3 épreuves, j'aimerais te remettre l'armure secrète du dojo de la maîtrise! Mais nous serons un bazar ici, rejoins-moi au dojo! Allez, il est temps de rentrer, les enfants! Alphagor? En fait, c'est que tiens! Oui. Oh yes! Attends, je veux trop l'avoir! Oh, ça date les pierres de l'île, trop cool! T'as géré, voilà, je l'ai dit. Attends, mais y'a un champion de type poison ou pas? Vraiment, y'a un champion de type poison? Y'en a pas, hein! Y'en a pas de champion de type poison!
Il y a les trois premiers, c'est les types élémentaires. Combat. Spectre. Glace, roche. Dragon. Ténèbres. Ouais, non, il n'y en a pas. Ah, Moustard. Bonjour. File-moi mon prix. Te voilà, mon petit Elfagor, je t'attendais. Puisque t'es venu à bout des trois épreuves, j'aimerais te remettre l'armure secrète du dojo de la maîtrise. Bah ouais, il est où, Chours? Il est où, mon Pokémon? Allez, viens dire bonjour. Oh, cinématique, trop bien. Ah, yes. Mais c'est une pile! Calmez-le! Je suis gaga! Je suis un gamin! Ah, il est tout timide. Oh, trop mignon. J'adore. J'adore. Je kiffe. C'est incroyable! Cinématique incroyable. Ours! Ce Pokémon est l'armure secrète du dojo de la maîtrise, Wouchours! Il est tout petit, mais si tu entraînes bien, il pourra neutraliser n'importe quelle attaque, telle une armure. Derrière cet adorable Femus se cache une incroyable puissance. Bon, j'ai rien versé, balai. Mais comme tu peux le voir, il est un peu timide. Je crois qu'il manque de confiance en lui. Mais s'il peut à l'aventure avec toi, je suis sûr que ça aidera à sortir de sa carapace. Bon, je crois que je t'ai tout dit. Chouchoute bien notre petit bout de chours. Oh. Adorable. Tu me files la Pokéball? Vous changez désormais votre Pokémon. Ça se passe en mode balai-couille. Il vient et dit bonjour. Mais attends, je suis à toi. Ah oui! Le Pokédex, le retour. Wouchours, Pokémon Kung-Fu, il suit un entraînement rigoureux pour parfaire ses techniques. La forme de son évolution dépend des capacités qu'il a assimilées. Yes! Non, pas de surnom. Que vous faire? Bah là, on l'a inclus à l'équipe, on est obligé. Qui est genre on enlève? On va enlever Ixon. Allez, on enlève Ixon. Oh, une dernière chose. Vous devriez tout d'abord commencer par apprendre à vous faire confiance. Wouchours c'est longtemps resté cloîtré au dojo, il n'a pas vu grand chose du monde extérieur. Je te conseille donc de l'emmener voir les plus beaux paysages d'Isola Armure pour l'aider à s'ouvrir à toi. Et d'ici, il se fera plaisir de t'indiquer en placement de meilleurs coins pendant quelques heures. Oh, c'est des touristes! Comme toujours, combattre ou camper reste des méthodes efficaces pour renforcer des liens. Hashtag l'amitié. Donc donnez-vous-en à cœur joie. Et une dernière petite astuce, tant que tu restes à Isola Armure, tu peux désormais voyager avec le Pokémon en tête de ton équipe en dehors de sa Pokéball. Oh oui, le retour! Faites-en bien pour te balader avec vous, votre amitié ressortira plus grandie. Emmenez me voir une fois que vous serez devenus les meilleurs amis du monde. Un véritable entraînement de Wouchours pourra alors commencer. Bon bah, on va aller chercher des baies, mec. On va clairement aller chercher des baies. Attends, il est là? Je dois sortir ou pas? Attends. C'est qui sera censé me faire une pause? Je commence déjà à me préparer mentalement au cas où une épreuve surprise survienne. Connaissant le maître, ça pourrait être n'importe quand, j'avoue. Il joue à sa Switch, l'autre con. Ah. Si seulement quelqu'un pouvait en collecter... Bon, tu veux quoi, Pia? Allez, vas-y. Alphagor, tu tombes bien, je voulais te demander si tu collectionnais... Si tu collectionnes les Watt. Oui, en effet. Les Watt. Les Watt. W-H-A-T. Sérieux. J'entendais pas moins de ta part. Tu sembles toujours être au courant des dernières tendances. Le commerce de Watt est en plein essor en ce moment. Ah bon? Tous les experts s'accordent à dire que c'est la clé du succès. J'aimerais bien commencer de quelques Watt pour apporter des améliorations au dojo. Mais comme tu le sais, Moustard et Hortensio sont... plutôt casanier. Je peux difficilement compter sur eux pour en récupérer et j'y arriverai pas toute seule. Tu voulais pas m'aider en me donnant quelques watts? Je te demande pas de le faire sans rien. Attends, tour, tu pourras profiter de toutes les améliorations que je compte apporter au dojo. Tu sais où me trouver si tu te sens d'humeur généreuse? Bon bah, cadeau. T'as quelque chose à me dire? J'ai des watts. Combien de watts acceptes-tu de me céder? 10 000! Au total, tu vas céder 10 000 watts. Maintenant qu'on a atteint 5 000 watts, on va pouvoir avoir notre propre coiffeur. Il est où le coiffeur? Où est le coiffeur? Allô, Salamèche, bonjour, je suis la gérante du dojo de la maîtrise. Oui, c'est celle-là, Apia. Ça, c'est possible de détacher un coiffeur dans notre établissement. Isola la meilleure. Oui, d'accord. Allez, bonjour.
Bien qu'à rapidité. Bon bah le coiffeur il s'est installé là-dedans, on le verra jamais. Bonjour, je suis Animal Coiffeuse. Je m'excuse de me cacher comme ça, mais j'ai travaillé dur pour maîtriser mon art. Je dois donc empêcher la concurrence de me voler mes secrets. Je vous prie de bien vouloir me laisser travailler ici à l'abri des regards indiscrets. Surprenant, mais c'est à ça qu'on reconnaît les professionnels. C'est à ça qu'on reconnaît le manque et la flemme de Cara Design surtout. En tout cas, on sera toujours bien coiffé et maquillé grâce à elle. Oui. Va pouvoir installer un affotissement dans le dojo. Bah je vais te refiler 10 000 d'un coup en fait, je vais voir jusqu'où je peux aller. Allo, c'est un Pokémon, bonjour, c'est l'agent du dojo d'Aitrice. Oui, à pièce, tu peux aussi installer un affotissement. Oui, oui, je peux payer en watts, bien sûr. Mais c'est de la thune en fait, les watts. Ah ouais. Dis donc, il livre vite, voilà une bonne chose de faite. Ouais, il dort. Tiens, c'est bizarre, il a pas l'air de s'allumer. Ah, ça dit quelque chose, voyons voir. Pour utiliser un petit mob, veuillez installer le logiciel dédié. Commandez-le dès aujourd'hui. Ils veulent nous dépiller de tous nos watts, ma parole, ils sont vraiment sans scrupules. Oh, les chiens. Oh, les bâtards. Ouais, tiens. Une chose de... Ouais, tiens, j'ai watts. 50 bleus. Pardon. Excusez-moi. Attends, finalement, je... Si vous me trouvez, si tu sens... Pardon. Y'a pas l'air particulièrement attaché à toi. Je conseille d'amener vos chances, c'est pas les plus beaux visages. En suivant les indications que j'ai laissées sur ta carte, quand vous serez les meilleurs amis, ok. Donc, on doit devenir les meilleurs potes du monde. Pourquoi pas. Attends, y'a Sephora. Liez-vous d'amitié avec Couchons, puis retournez voir Moustar. Mais on doit juste augmenter son amitié, en fait. Oh, énorme. Oh mais mec. Attends, what? Il me survient. Bouchours. Attends, non, je déplace. Attends, y'a quoi? Attention, le Pokémon a un mental d'un toute épreuve qui l'empêche d'avoir peur. Éclat trop, gros yeux, ok. Si sérieux. Ok, c'est quoi ça, figurant? Comment c'est stats? Je crois que c'est neutre. Alors, déplacer. Alors, objet. Je vais me mettre. Ouvrir le sac, gros lozen. Je vais pas me faire chier. Hein. Objet. Faut juste que je trouve elle. Armurium, graines, PP max, orbe, non. Mais attends, il faut juste trouver le fameux. Le fameux El Famoso. C'est pas ça? Non, pas du tout. Grelozen. Il est où le gros lozen? Glace, bec, repousse, sable. Putain, mais il est où ce gros lot de fou? Et c'est là que je l'ai zappé. Mec, je l'ai peut-être zappé là. En fait, mec, je me pose en réaction. Je l'ai zappé là. Mais gros, je suis passé à côté, oui, il est sur un Pokémon, c'est obligé. Mec, il... What? Bon, vous savez quoi? Je sais pas où on en est, mais on continuera au prochain épisode. Il est où, Bouchours? Oh, il est là. Oh là là, c'est trop bien. Mec, c'est... Je peux lui parler? Oh, je peux interagir. Ah, c'est merveilleux. Oh, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Si t'aimes bien, toi tu vois des trucs. Allez, on va s'arrêter, on va aller à l'intérieur et on va s'arrêter là pour l'épisode. C'est tellement beau. Allez, Sephora, qu'est-ce que tu dis? Un jour, je viendrai aussi fort que toi et là tu feras moins le malin. Bon, allez. Du coup, les amis, on va s'arrêter là. C'était super, c'est quali. En tout cas, si t'as le frère, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche. Vous connaissez les principes de base, c'est classique. Activez la cloche pour être notifié et que je vienne vous voir dans mon plus bref sommeil pour vous dire quand il y a une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Abonnez-vous en bas également pour que j'atteigne les 1000 abonnés et que je sois payé par YouTube. En tout cas, c'était Alfragor, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Alfragor, bye tout le monde.